Bonjour à tous et bienvenue sur Drone in View. Il y a quelques jours, je me suis posé une question. Que préférez-vous entre un ordinateur, un téléphone ou une tablette? Ceci est une tablette de couleur grise et je pense que vous connaissez la marque. Et bah c'est bon, je pense qu'ils ont eu. Et oui, ils connaissent la marque. Un putain de 10, ça commence par un A. Bref. Pour avoir la réponse, je suis allé demander aux gens dans la rue. Donc, c'est parti. Alors, que préférez-vous utiliser entre un téléphone, un ordinateur ou une tablette? Un téléphone aussi. Un ordinateur. Quoi? Plus pratique. Okay. Ça a l'air rapide. Ouais, et moi ça me sert de taf pour Instagram. Parce que c'est plus simple, tout à disposition rapidement. Et moi c'est parce que c'est petit, pratique et emporté partout quoi. Ouais, parce que l'ordinateur, on peut aller plus dans la précision des informations. Madame, c'est plus petit et puis je l'ai toujours avec moi, du coup ouais, j'ai c'est plus pratique. On peut faire avec. Comme vous avez pu le constater, la plupart des personnes préfèrent le téléphone par rapport à la tablette ou un ordinateur, car le téléphone est moins encombrant, plus pratique, et c'est un objet qu'on a souvent dans notre poche. Mais d'autre part, comme le dit plusieurs personnes, l'ordinateur permet de faire des travaux plus longs et plus précis, tout en étant posé sur un bureau ou autre. Pour moi, l'ordinateur et le téléphone sont complémentaires, car le téléphone permet de faire des choses rapides, alors que l'ordinateur permet de faire des choses longues où on a besoin de puissance. En ce qui concerne la tablette, c'est pour moi l'intermédiaire entre le téléphone et l'ordinateur pour avoir un écran plus grand. Cependant, il existe aussi les ordinateurs 2 en 1, dont l'écran peut se détacher du clavier, comme ceci. Voilà. En ce qui me concerne, je n'ai pas l'utilité d'avoir une tablette. Et vous alors? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un like si le format micro-trottoir vous plaît. D'autres vidéos de ce type vont arriver pendant les vacances, ainsi que des vidéos drone et une vidéo sur mon road trip en Normandie. En attendant les nouvelles vidéos, restez connectés en vous abonnant à ma chaîne YouTube et à mon Instagram qui s'affiche juste ici pour découvrir mes photos et les dernières nouveautés. C'était Nicolas, salut !